tu dis rougail saucisse. J'ai rougail saucisse. Ah, gauche. Développement durable. En fait, ça dépend du poisson après. Non, mais c'est bien, à peu près 400 kilos. Nous, chez nous, c'est 400 kilos pour 100 mètres carrés. Il faut l'amener parce qu'elle m'avait dit qu'à un moment donné, il y avait une conseil d'administration. Là, on est en pleine période. Attends, le projet, il est sur le site internet. Voilà. Chemin moyen et j'aurais quand vous installer, mais de toute façon vous êtes suffisamment prêts pour prendre les informations. Gisèle, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque tu nous fais ta petite revue de cette première journée, donc des rencontres à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Bonjour à tous déjà. Ravi de vous retrouver à cette deuxième journée hier après ouverture par les officiels, ouverture classique, les officiels ont parlé de l'engagement de leur institution qui était important. La visite du village des initiatives a été empêchée par la pluie, donc le village est toujours à l'extérieur. Et nous avons profité de l'apport des deux invités expérimentés en la matière de DDE, Madame Cotterot et Monsieur Tubé, que nous aurons l'occasion de retrouver demain. Dans l'après-midi, donc, la parole des habitants acteurs de Saint-Vasy est venue illustrer ce que nous avions entendu le matin. Ainsi, les différentes personnes ont démontré leur engagement auprès des jeunes. Nos amis du CCE de Mayotte ont fait part du travail entamé par les acteurs locaux pour la réappropriation par les jeunes d'habitudes ancestrales perdues, de relations à la nature. Moi, j'ai noté pour ma part, et ceux qui sont là pourront témoigner également, le choc de culture entre la société traditionnelle et la société occidentale de ce département français. Nous nous sommes quittés sur un peu de musique offerte par les élèves de l'école de musique hier soir. Donc, je rappelle les thématiques, c'est l'eau, déchets, climat, air, énergie, risques naturels, biodiversité et paysage. Cet atelier aurait dû démarrer à 9h. Pour autant, il démarre à 10h. Et il s'arrêtera à 12h45. Est-ce que cela vous convient? Je voudrais que ce soit plus comme ça à la limite, que je sois caché. Non, mais je vais pas. Mais on me voit, mais je veux pas que je me voie. Tu vois, voilà, comme ça. Parce que, et regarde, quand je bouge l'aile, est-ce qu'elle te gêne? Je vois bien. Ouais, pour réaliser un bon reportage, il faut prendre de la hauteur, et là, visiblement, j'y arrive. Conception des outils, pédagogie et sensibilisation. La deuxième étape, puisqu'il est question d'éducation au risque naturel, c'est de faire un partenariat fort avec l'éducation nationale. Je n'entends pas bien. Non, mais on va revenir aux bonnes choses, effectivement.
grand néant. Bon, ça c'est neutre comme terme. C'est pas positif. Donc... Il y a des creux, il y a des bosses, etc. Donc quand c'est un endroit, ça vaut plus. Et donc ça suffit, les gens qui ont mis leur maison bord mer. Alors, en fait, ce qui va se passer, attendez que je vous apporte ceci, parce que chacun va dire ce qu'il a sous forme d'atelier dans chaque déchetterie existante. En fait, les déchetteries qui existent, c'est créer un atelier de recyclage et de récupération dans chaque atelier, dans chaque déchetterie. Ça veut dire que quelqu'un d'allouer un support à peu près unique ou uniforme. Hein. Il faut que les consignes soient les mêmes, quel que soit l'endroit où on se trouve sur l'île. Mais il faut un élément centralisateur de cela. Donc c'est ça qu'ils sont retenus. Si jamais il y en a plusieurs, ça pose positif, on rediscutera. On a une feuille, une proposition. Alors laquelle on prend ? Alors, c'est quoi le plus ? Parce que vous avez... Sous les montagnes, Gisèle. Elle est là. Regarde. Que pensez-vous, madame la présidente de commission du... Les vidéos, vous pouvez bouger. Ma fille, comme ça ici là, quand ça n'y va rien. Mais il n'y va rien dimanche. Si dimanche ça fait le gâté, comment la journée, toute la nuit, Oh,
Thank you.